Moi j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Je suis comme ça. Chérie, mais où est-ce qu'elle est? Mon cœur, mon amour. Oui. Oh mon trésor. Ah là. Mais dis donc, quelle beauté envoûtante. Non, je n'ai pas fait exprès de choisir. Ah bon? Je t'ai choisi même à un moment très précis. Oh. Voilà. Bébé. Oui, chérie. Tu sais. Oui. J'ai tellement pensé. Et j'ai réfléchi. Ah bon. J'ai dit comme ça, je vais te faire une petite poésie. Mm-hmm. Voilà, j'espère que tu vas adorer. Parce que ça vient du tout profond de mon cœur. Je t'assure. Chérie. Oui. Je te le jure que je vais aimer. Ok. Tu sais quoi, chérie? Oui. Ce n'est pas parce que tu es belle que je t'aime. Mais c'est parce que je t'aime que tu es la plus belle. Ah bon? Eh, chérie. Le verbe s'aimer, je n'ai jamais aimé qu'on le conjugue au futur, parce que c'est douteux. Mais au passé, c'est douloureux. Mais pour toi, j'aimerais le conjuguer au présent. Je t'aime. Chérie. Alors, bébé, tu sais quoi? Si Jésus-Christ de Nazareth s'est sacrifié à la croix pour l'humanité, c'est parce qu'il aimait ses chers fils. Ça, et c'est moi vrai. Aussi, je vais me sacrifier pour toi. Je t'aime. Merci, chérie. Ce n'est pas encore fini, bébé. Bon. Oui, parce que j'ai préparé quelque chose de grand pour toi. Oui. Et je vais te dire. Bébé, à te voir, oui, à te voir, c'est comme si je n'ai rien vu. Mais à t'aimer, c'est comme si j'ai quelque chose de grand. Bébé, je t'aime. Oh, Seigneur. Dieu merci. Voilà. Oh, chérie. Bébé, je ne peux pas aussi terminer sans un passage biblique. Il est écrit dans les livres saints qu'un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Et avec celle-ci, ils formeront une seule chair. C'est pourquoi je t'aime. Merci, chérie. Voilà. Je t'aime aussi. Hé, hey, bébé, viens dans mes bras. Oh. Ouais. Oh, chérie. Mais chérie. Oui. Ah, la vie n'a qu'un sens lorsqu'on la vit à deux. Alors, j'aimerais symboliquement t'offrir mon cœur. Oui. Oh, avec chérie, cette rose. Ça, c'est pour moi. Oui. Merci. Voilà. Merci, voilà. Seigneur. Oh, Dieu, merci. Merci. Dieu, merci. Ah, j'espère que ça t'a plu. Bien sûr. Public, ça vous a plu? Oui. Ah, merci. Merci pour l'encouragement. C'était pas facile. J'ai révisé ça au moins une semaine. C'était pas facile. Bébé, oui. Comme tu as déjà accepté tout ce que je viens de dire, mm-hmm. Tu sais, c'est un nouveau départ. Oui. Oui, c'est un nouveau départ. Mm-hmm. Et qui parle de nouveau départ, parle aussi de vérité. C'est vrai. Voilà. Donc j'aimerais que toi et moi, nous disions tout. Tout ce qui est comme vérité. Absolument tout. En oui, tout. Mm-hmm. Ouais, y a des choses que tu as voulu me dire, mais pour comment on appelle ça, pour ne pas qu'il y ait des palabres dans notre couple, tu as laissé passer. Mais aujourd'hui, c'est le jour de dire la vérité. Rien que tout. Tout ce que tu vas dire, ça va rien me dire. Même si ça me fait mal. Souvent, je me mets en colère, mais je ne me fâche pas. Chérie, voilà. Oui. Tu es sûr de ce que tu dis là? Si, même un petit, je suis au-dessus. Je ne vais jamais me fâcher. Public est là. Public, est-ce qu'elle là, on peut se fâcher? Pour quelqu'un que tu aimes, est-ce que tu peux te fâcher contre elle? Ah, non, applaudissez pour moi. Oh non, je ne me fâche jamais. En tout cas, chérie, oui. Si c'est à cause de fleurs, là, tu dis de dire toute la vérité là. Tiens en même temps ta fleur. Non, chérie, non, c'est pas ça. C'est pas ça. D'abord, même pour te mettre en confiance, je vais commencer d'abord par moi. Ah, d'accord. Tu sais, chérie, tu m'as demandé des vacances au Brésil. Oui, je voilà. Me rappelle. Voilà. Et puis, j'ai refusé. Ah, ce jour-là, chérie, oui. J'avais le cœur en mille morceaux. Et quand tu Yako. M'as refusé ça. Ah, non, c'est pas ça. En fait. J'avais les moyens, mais je ne voulais pas que tu partes pour me laisser seul dans le froid. Non, mais tu vois un peu. Donc, c'est ce qui a fait qu'il a dit, je n'avais rien. Mais moi, mais ça m'a fait mal. Parce que ce que ton cœur veut, il faut lui donner. Donc, j'espère que je me suis fait pardonner. Chérie, oui. Je jure, mm-hmm. Au nom de l'amour, oui. Au nom de Saint-Valentin, mm-hmm. Je te pardonne. Quand vous laissez moi. Merci. Merci. Enfin, je suis libre.
maintenant, il attend ton tour. Ah, chérie, ah, oui. Là, là. Oui. Il ne va pas se fâcher. Non, il ne va pas me fâcher. Aïe, pourquoi? Tu vas pas te fâcher de... Non, aucune colère. Tu sais, chérie. Oui, oui. Tu te rappelles quand ton patron t'avait licencié, là? Oui, 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 je me rappelle très bien. Et puis, t'as rappelé une semaine après. Oui, moi, je n'ai rien compris. Un jour comme ça, je suis assis et puis il me rappelle. Je n'ai rien compris. Mais c'est parce qu'il sait que je suis un élément essentiel dans l'entreprise. C'est pourquoi il m'a rappelé. Ça, je suis sûr. Oui, hein, chérie. Oui. C'est pas parce que tu travailles bien. Ah bon? Mais c'est parce que j'ai couché avec lui qui t'a rappelé. Tu as couché avec mon patron? Chérie, tu dis t'as pas été fâchée, non? Non, mais c'est ça une femme! Elle se sacrifie pour son mari! On applaudit pour ça! Chérie, non, tu ne fais pas! Non, moi je me fâchais! Papa! Tu me connais en détail, mais tu ne me connais pas en gros! Moi me fâchais! Avec ce que tu as fait là? Non! Tu ne peux pas me fâcher! Non, merci! Chérie, non, viens dans mes bras! Viens dans mes bras! Non? C'est un sacrifice. Sacrifice pour l'amour. Ah bon? Chérie. Oui. Bon. Et puis encore là, tu te rappelles quand tu voulais prêter de l'argent à la banque là? Oui. Et puis le banquier là t'a refusé. Voilà. Je n'ai rien compris, je t'assure. Et fainéant comme ça, et mécréant. Je t'assure. Tu vois son ventre bien ballonné comme s'il était enceinte de 9 mois. Il a vraiment un gros ventre, je vous dis pas. Non, mais ça, ce n'est rien. Le nez. Et n'est plat comme s'ils avaient marché dessus. Mais la totale, c'est sa bouche. On dirait piège. Lui, là, je me demande s'il a une femme pour l'embrasser. Vraiment? Mais il est vilain. Vraiment? Non, moi, il ne savait pas. Il est vilain même. C'est vrai. Oh, pas possible. Chérie. Non, chérie, je t'ai rien dit. Mais malgré sa laideur, je te dis 3 jours après, il m'appelle. Monsieur, je m'excuse. J'ai demandé seulement que 20 millions pour finir notre villa. Oui. Monsieur, je vous appelle, vous m'excusez, venez prendre 25 millions. Il dit, attends, vous vous êtes trompé, j'ai dit 20. Il dit, non, viens prendre 25. Je suis parti et j'ai pris. Mais il m'énervait ce jour-là, il m'énervait. Oh. Chérie, c'est vrai. Mm-hmm. Mais c'est pas parce que Dieu a touché son cœur. Ah bon? C'est parce que j'ai couché avec lui que t'as donné les 25 millions. Tu as couché avec le vilain là? Oui, oui. Ah bon? Oui, chérie. Son gros ventre là? Oui. Elle bouche là? Oui, chérie. Malgré tout ça là, tu as couché avec lui? Oui. Ah bon? Mais, chérie. Oui. Tu m'as promis que tu n'allais pas te fâcher. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Mais moi, je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché. Ah moi, bon? Me fâché. Donc, tu n'es pas fâché. Hein? Non, je ne suis pas fâché. Ah, Dieu merci. Je ne suis pas fâché. Hey, j'aime trop mon mari. D'accord. Tu m'aimes, c'est vrai? Oui. D'accord. Comme il vient d'arriver. D'accord. Je vais m'échanger. Mm-hmm. Il est chaud comme ça. Oui, je suis là. Il est chaud. Je vais m'échanger. Puis. Y a quoi si on peut sortir ensemble? Mais chérie, avant de partir, c'est pas encore fini. Il y a encore? Oui. Ah! Encore. T'as dit de nous tout, non? Il a dit, on a tout dit aujourd'hui. Pas dit. Donc je vais tout dire, oui, n'est-ce pas? Oui, oui. Chérie, oui. Tu te rappelles? Je me rappelle pas. Quand tu voulais être directeur général, oui. Il y a 25 personnes qui ne voulaient pas te voter. Donc tu veux me dire que. Tu es sorti à la 25 là? Oui! Chérie. Mais c'est quoi ça là? Non, non, vous me dites que c'est devenu cabine. Tout le monde vient faire transfert maintenant chez toi. C'est quoi ça? Vous me dites que c'est. Pourquoi vous me dites que c'est sacrifice? Ça, c'est toi qui as dit que ça c'est sacrifice. Mais oui. Ça, c'est offrande. Tu te donnes un chèque. Et puis, il va te dire quelque chose. Le moment où tu sortais avec les 25 là, ta cousine, j'ai acheté ça. Quoi? Voilà. Ma cousine? Oui. Chérie? Oui. T'es en train de me tromper avec ma propre cousine? Je m'en fous de ça. Tiens, tiens ta fleur, je ne veux plus. Moi, j'ai cru qu'on ait fait Saint-Valentin. J'ai assez Saint-Foutaise. Tiens ça. Tiens. Quitte là-bas. Tu vas me payer. Tu vas me le payer. Dans tes silences, dans tes non-dits,
Dans ma distance, on s'est compris. On se rejoint sur ce chemin fait d'incertain et de destin. Nos deux vécus, nos deux histoires se sont perdues dans notre espoir. Nos deux reliés par un fil invisible, une pensée mêlée, nous devenons indivisibles. Nous devenons indivisibles, et ce, grâce à l'amour. Ah, l'amour, si fort, si puissant. Mesdames, messieurs, nous célébrons l'amour. Nous célébrons l'amour vrai, l'amour pur. Je vous dirai à tous et à toutes bonsoir et bienvenue à cette grande et magnifique célébration de l'amour. Merci de vous ovationner très fort. Ce soir sur RTI Boaké, nous célébrons l'amour. Vous verrez dans cette magnifique émission que c'est quelque chose de vrai, de pur, de réel. Pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté, c'est vrai l'amour. Bienvenue à tout le monde. Nous allons ensemble nous installer, mais bien nous installer, mesdames, messieurs. Nous avons prévu pour vous un groupe magnifique qui cadre bien avec ce moment. Le groupe s'appelle Romantique. Installons-nous avec le groupe Romantique. Pour moi, la belle histoire,
raconte l'histoire. C'est notre histoire d'amour, d'amour. Un belle histoire, c'est notre histoire d'amour, d'amour. On n'a pas vu le temps passer, dans nos cœurs rien n'a bougé. On va continuer tous les deux, tout seul. C'est notre histoire d'amour, d'amour. La belle histoire, la belle histoire. C'est notre histoire d'amour, d'amour. La belle histoire, la belle histoire. C'est notre histoire d'amour, d'amour. Encore plus fort. Ça mérite encore plus d'ovations. Merci beaucoup. Il nous accompagne merveilleusement bien dans cette magnifique production spéciale Saint-Valentin sur RTI Boaké dénommée Vive l'amour. Et oui, nous parlerons d'amour tout au long de cette émission, mesdames, messieurs. Mais avant, permettez que nous remercions certaines personnes. Vous voyez, nous sommes dans un magnifique cadre, un magnifique décor, et c'est l'œuvre de Madame Brou Thérèse, décoratrice, qui a fait un travail impressionnant. J'aimerais qu'on l'ovationne très fort. Voilà, tout de rouge vêtu, nous célébrons l'amour. Décoratrice Madame Brou Thérèse, et j'aimerais également remercier Jackie Coiffure, ma coiffeuse qui m'a coiffée, qui m'a permis d'avoir cette magnifique coupe. Merci à Jackie Coiffure. Bien, nous allons, mesdames, messieurs, continuer. Nous aurons l'honneur de vous présenter nos invités, les couples qui se prêtent donc à notre jeu dans cette émission. Nous avons deux couples que nous allons vous présenter tout à l'heure, mais déjà, sachez que nous avons trois rubriques, trois magnifiques rubriques pour cette magnifique production. La première rubrique, ce sera Histoire d'amour. Vous allez découvrir tout à l'heure. Et puis, juste après, nous aurons la seconde rubrique, Déclaration d'amour. Et après, la troisième, Je connais mon partenaire. On aura l'occasion de savoir si nos invités, nos couples se connaissent réellement. Ce sont les trois rubriques, sans oublier que vous aurez droit à de magnifiques, de très belles prestations. Et chez vous, à la maison, vous allez nous accompagner par vos regards magnifiques. Je vais donc prendre le temps de présenter nos invités. Alors, le premier couple, ils sont magnifiques tous deux. Je vais commencer par la femme. Voilà. Par la femme, c'est mieux, n'est-ce pas? Actuellement, les femmes à l'honneur. Bonsoir, maman. Bonsoir. Tu présentes? Madame Ndri Véronique. Madame Ndri Véronique, elle est venue avec son époux. Monsieur Ndri, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Et nous célébrons l'amour avec vous. Oui, bien sûr. D'accord. On est à vous tout à l'heure. Nous allons nous tourner à présent vers le second couple. Monsieur, Madame Guessant. Bonjour, Madame Guessant. Bonjour, Tata. Ah, je suis honorée. Monsieur Guessant, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous allez bien? D'accord. Je précise que c'est un couple de pasteurs. Monsieur est pasteur. Et puis, Madame l'accompagne
dans sa tâche. Alors, on va revenir ici pour savoir ce que papa fait dans la vie. Voilà. Bon, j'étais enseignant, je suis à la retraite présentement. D'accord. À la retraite, maman? Oui, je suis aide jardinière. D'accord. Eh bien, on va applaudir très fort ces deux magnifiques couples. C'est avec eux que le jeu va se dérouler tout à l'heure. Vous êtes aussi magnifiques et pour bien faire les choses, mesdames, messieurs, on vous a dit, vous aurez assez de prestations artistiques. Et en parlant de musique, nous allons inviter ici un jeune artiste musicien qui fait des merveilles et il porte aussi bien son nom. Mesdames, messieurs, il se nomme La Merveille. La Merveille pour vous, pour célébrer l'amour. J'aimerais qu'on l'ovationne très fort, encore plus fort, encore plus fort. Merci. Président KS, le dinosaure. Mel, mon chéri. Awe Duo. Promettez Awe Duo. Awe Duna. Awe Duo. Jonesso Awe Duo. Awe Duna. J'étais en le pervers. Chantais le rêve de mon enfance. Tu me disais, c'est pas dedans, y'a ma chance. Et ce jour, les lanceurs des coris, toujours à te mentir, pour te mettre en nuit. Bonne son intimité, métier qui me donne à manger. Tu me demandes de laisser, sinon ils vont pas me respecter. Oh, la foi déplace des montagnes. Crois en toi, Dieu fait rien au hasard. Radio Central, policier, menuisier ou charbonnier, tout ça là c'est travail. Te laisse pas trafiquer. Oh, oh, yo, yo, presse le Madiba. Oh. Del Piero, l'attaquant de pointe. Awe Duo. Docteur, c'est Awe Duo. Awe Duna. Awe Duo. Landry Incognito. Awe Duo. Awe Duna. Maman Aline Comé. Tu m'as vu dans souffrance, tu m'as laissé tomber. Je suis en train de monter, tu veux me faire dégringoler. Comme tous les citronniers, Lionel, café, cacao. Faut pas les écouter, ils n'ont qu'à se fatiguer. Ils pourront jamais te trafiquer. Fiasco, Imka, sénateur, l'arrangeur. Sans zouglou, aujourd'hui c'est fait, non.
le basis. Asalfo Magic System a connu la souffrance. Il n'a jamais abandonné. Aujourd'hui, ça paye. Faut pas te fatiguer. Il fait des merveilles, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Très belle prestation. Nous allons à présent démarrer avec la première rubrique de cette production. La première rubrique, c'est Histoire d'amour. Nous avons dans Histoire d'amour deux couples avec lesquels nous allons échanger. Voilà, le tout premier couple, là, c'est le couple Nguessan. Avec eux, on parlera donc de leur rencontre. On parlera des grandes joies, des difficultés. On parlera de leur force, de ce qui a fait qu'ils ont tenu dans le temps pendant toutes ces années. Et puis, voilà, de petits secrets, de petits affaires. Comme je l'ai dit, on démarre avec le couple Nguessan. Monsieur Nguessan va se charger donc de conter l'histoire du couple. Quand ça a commencé? Merci et bonsoir à tous. Ça a commencé en février 2010. Pour dire que, étant déjà. En 2008, hein? 2010. 2010. Oui, février 2010. Mm-hmm. Étant déjà pasteur, mm-hmm. J'ai eu à aider plusieurs communautés et. Dans ma carte de prière pour que Dieu me donne l'âme sœur. Oui. Un jour, je vais recevoir un coup de fil d'une femme pasteur que j'ai eu à aider. Et c'est pas elle que le contact est parti. Ah ah. Il s'est passé quoi exactement? Ben, tous priaient pour que je me marie, puisque tout ce qui me manquait, c'était ça. Et donc, celle qu'aujourd'hui qui est devenue mon épouse, mm-hmm. fréquentait sa communauté. Oui. Faut dire qu'elle était allée dans le but de déposer des dossiers dans une entreprise. Mm-hmm. Et là où elle allait déposer les dossiers, les choses ne sont pas passées comme elle avait voulu. Elle le souhaitait, oui. Et finalement, c'est dans le quartier où se trouvait cette communauté qu'elle a eu quelque chose à faire. Mm-hmm. Et fréquentant cette communauté, et elle a décidé de mettre de l'ordre dans sa vie. Oui. Et chacun de nous a eu à mettre moi de l'autre côté. Mais la rencontre, d'accord. Le premier jour, vous l'avez vu mm-hmm. avec vos yeux. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment c'était? Je préfère parler en toute honnêteté. En toute honnêteté, contrairement à tout ce qui regarde à l'apparence, ce n'est ni son apparence, ni sa beauté, mm-hmm. parce que moi, je suis l'un de ceux qui croient à la volonté de Dieu en toutes choses. Mm-hmm. Et pour moi, lorsque nous sommes rencontrés, chacun, on a fait connaissance, on savait que c'était pour, dans le but de voir si on pouvait marcher ensemble, mm-hmm. et chacun s'est replié de son côté pour prier, oui. pour savoir si vraiment Dieu. Et après un moment de prière, vous avez été convaincu. On a été convaincu. C'était. Et on s'est dit oui. Et quand nous sommes dit oui, à l'époque, son père vivait en Europe. Mm-hmm. Et elle a appelé, elle lui a fait part de notre relation. Mm-hmm. Son père l'a interrogé plusieurs fois. Es-tu sûr? Es-tu convaincu? Elle a dit oui. Il dit bon, je te donne ma bénédiction. Mm-hmm. Mais va voir mon grand frère Yopougon. Parce que c'est lui qui est l'aîné de la famille. C'est ça. Oh, ça faisait 8 mois. Elle n'a jamais mis. 8 ans plus tôt, excusez-moi. Elle n'était pas allée le voir. Elle et puis du coup, pour le mariage, donc, elle va vers lui. Ouais, aller vers le comment. Et on était là en tournant en rond. Et un mercredi matin, je l'ai appelé. J'ai dit, de toutes les manières, nous devons y arriver. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, on va aller. Et vous êtes parti, ça s'est bien passé. Nous sommes partis, ça s'est très bien passé. On a été très bien accueillis. Et le mariage a eu lieu quand?
Le mariage a eu, d'abord la dot a eu lieu le 7 juillet 2010. Ces dates-là, on les oublie pas. Hein. Non, non. Le 7 juillet. Le 7 juillet 2010, c'était oui. La dot. Mm-hmm. Et le 5 août 2010, c'était le mariage. Ah, bravo. On va les ovationner. On va revenir au couple Ndri. Monsieur et Madame Ndri. Oui. Monsieur Ndri va nous conter l'histoire. Mais la rencontre, c'était où, quand, comment, qui a fait le premier pas? Voilà. Mais je vous avais dit tout à l'heure que je suis enseignant à la retraite. Donc, avant d'être à la retraite, j'ai fonctionné quelque part dans une ville du centre-nord de la Côte d'Ivoire. Oui. Revenant de mon boulot, sur le chemin... En quelle année? Bon, en 1975. Ah téléspectateurs, oui. Vous avez entendu avec moi, 1975. Voilà. Donc, je crois sur mon chemin... Une jeune dame, élève aussi, qui revenait. Mm-hmm. Moi vous, aussi. Vous enseignant, elle est voilà, élève. Voilà. Elle était élève. Voilà. D'accord. Donc, voilà, maintenant, ben, dis donc, qu'est-ce que c'est? Moi aussi, j'étais libre de toute. Que vais-je dire? J'étais libre de toute relation. De toute relation, de tout voilà. engagement. Et jeune fonctionnaire, j'étais en quête de trouver quelqu'une pour former ma vie. Oui. Et je vois, et puis j'ai tiqué, j'ai dit, ah, ça, c'est compliqué. Elle était belle, donc, voilà, avec justement, de longs cheveux. Voilà. Ah. Alors tout ça, j'ai dit, bon, alors là, je suis enseignant élève, bon, voilà, ça, c'est compliqué. Bon, je vais prendre mon courage, je vais choisir. Donc, une là, fois, là, dans un premier temps, une fois, deux fois, on s'est croisé, je l'ai appelé, il l'a abordé. Et on a causé un peu. Bon, comme c'est une petite ville, on se croise facilement. Oui. Donc, c'est ainsi, de fil en aiguille. Mais est-ce que vous ne faisiez pas semblant même de passer par le chemin où elle passait pour aller à l'école là? Et mais pourquoi pas? Pour tout faire pour qu'on se croise. Ah. Voilà. Voilà, et c'est ainsi que nous sommes croisés. Et c'est depuis ce temps. Bon, tel que vous la voyez là, beaucoup de gens aussi pouvaient regarder autour. Oui. Bon, donc je dis, bon, il fallait qu'on mette... Vite, vite. Le veto. Ah. Faut mettre le veto vite. Vite, vite. Voilà. Et après ça, bon, j'étais enseignant, je vous l'ai dit. Oui. Son frère étant fonctionnaire aussi là-bas, oui. ayant constaté que le veto est mis, alors je suis là et puis un soir, revenant de mes congés, on me convoque. Oui. Chez moi. Qui? Le beau. Le voilà. Le père. Son frère, son grand frère avec qui ah, elle était. Ah d'accord. Dit ah, je vois tel état, on me dit que c'est vous. Eh. Voilà. Eh. Il dit pas dans mon rêve. Non, 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 non. Alors, je dis oui, c'est moi. En même temps. Il dit, mais vous n'ignorez pas ce à quoi vous attendez. Il dit oui, je sais. Moi, mais je veux. Voilà, que moi, je veux la prendre comme ma femme. Donc, à partir de là, tant bien que mal, et nous sommes restés. Et nous sommes légalement mariés depuis 83, le 29 janvier précisément. 83. Oh voilà. Là là. On va les applaudir très fort. Je vais retourner avec le couple décent. On va parler de vos grands moments de joie. Vous avez vécu déjà combien d'années de vie de couple? Depuis 2010, on est à 2015. Déjà, on fait le calcul, oui, bientôt 5 ans. Oui. Combien, enfin, on va revenir sur les grands moments de joie. Pendant ces 5 années, est-ce que vous pouvez citer rapidement vos grands moments de joie, ces moments qui vous ont marqué et qui vous marqueront à jamais? D'abord, nos premiers moments de joie ont été de pouvoir nous entendre, à aider des vies, à être restaurés, des gens sans espoir qui viennent vous voir et par vos conseils qui arrivent à retrouver le sourire de la vie. Parce que vous êtes pasteur et en même temps conseiller conjugal. Oui. D'accord. Et donc, en toute honnêteté, c'était nos véritables moments de joie. Et je dirais, la seconde, ce sont les tout. La capacité pour nous de pouvoir surmonter les problèmes et de nous pardonner, de nous tolérer et de revivre si comme on ne s'est jamais blessé. Et ça, vraiment, je ne fais que bénir Dieu pour ça. C'est ça. Et forcément, merci beaucoup public, vous êtes merveilleux. Forcément, vous avez rencontré des difficultés.
Forcément, dans la vie de chaque couple, il y en a. Comment vous arrivez à surmonter vos difficultés? Et la plus grande difficulté que vous avez traversée, c'était laquelle? Si c'est possible qu'on en parle. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails. Dans les détails, mais comment vous arrivez, comment vous faites pour surmonter vos difficultés? En m'appuyant sur Dieu. Mm-hmm. Comme je dis, je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mm-hmm. mais si j'arrive à pardonner facilement mm-hmm. et à oublier, c'est ça, j'ai dit c'est Dieu. En tout cas, on va se tourner maintenant vers le couple Ndri. Alors, parlons de vos grands moments de joie. Vous vous mariez en 1983. C'est ça. Vous vous rencontrez en 1975. Oui. Et quelques années après, vous rencontrez. Vous mariez. Les grands moments de joie que vous ne pouvez pas du tout oublier. Voilà. Mais ce moment-là même, d'abord, a commencé au jour où j'ai été convoqué et j'ai dit, c'est moi. Et puis, il n'y a pas eu de ciel qui est tombé sur ma tête. c'était d'abord ce grand moment. À partir de ce moment précis, c'est un engagement. Mm-hmm. C'était un engagement. Surtout que je parle de 1975. Oui. Moi, je suis du centre Baoulé, ma femme est du sud. Mm-hmm. Il y avait des préjugés à l'époque. Oui. Donc, moi, Baoulé, d'abord, on lui dit, est-ce celui-là, ce Baoulé-là, est-ce qu'il va te marier? Toi, tu vas voir, ainsi de suite. Je dis, bon, c'est un défi. Je dois relever ce défi-là pour prouver qu'on n'a pas besoin d'appartenir à la même ethnie pour être ensemble et finir sa vie. Ah, et c'est là ce que nous avons fait ça jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est un message fort. Voilà. Et c'est ce que nous avons fait. Et pour conclure, en 83, nous avons dit, bon, nous allons nous marier. Quand nous avons eu nos premiers fils en 75, en août, c'était un grand moment de joie. Un garçon en plus. Ah là là. Voilà. Et depuis ce temps-là, nous sommes ensemble. Il n'y a eu que des moments de joie. Non, pas du tout. Il y a eu aussi des moments difficiles. Et là, c'est pas jusqu'à penser au pire, c'est-à-dire la séparation. C'est la vie existentielle, là, mm-hmm. puisque nous avons eu les enfants un peu rapprochés. Oui. Bon, pour les gérer, jeune fonctionnaire, c'était difficile. Mm-hmm. Mais grâce à elle, nous avons supporté ce temps. Mm-hmm. Malgré des fois, mais on pouvait ne pas avoir à manger, mais elle n'a jamais désespéré. Oui. Au contraire, elle se battait. C'était l'amour. Voilà, c'était vrai. L'amour vrai. Et c'est l'amour vrai même, jusqu'à maintenant. Ah là là. Il le dit avec conviction. Oui. Et ça, c'est merveilleux. Vraiment, on va parler donc de ce qui vous a permis à monsieur et madame Ndri de tenir ensemble depuis 1975 jusqu'en 2015. On connaît des couples qui se marient et seulement 6 mois après qui partent au divorce. Comment vous avez tenu? Vous êtes basé sur quoi? Parlons de vos forces. Ouais, la force, bon, je vous apprends que ma femme, elle est chrétienne, très croyante, pratiquante. Moi, je crois, mais je ne suis pas pratiquant. Mais néanmoins, comme je vous l'ai dit, non, je ne suis pas féticheur non plus. Voilà. Mais je vous dis bien que tout dépend de nous-mêmes, nous deux. Et avec l'aide de Dieu, nous sommes compris. Quand c'est chaud, on se retrouve. Et elle prie. Et moi aussi, elle m'encourage. Et vraiment, des fois, je suis au bord de la dépression. Je dis non, ça va aller. Ça va aller et ça va. Et on est là, ça va. Jusqu'à on est à la retraite. D'accord. Alors, moi, j'aimerais poser une question à Madame Ndri. Vous voulez passer le micro, Madame Ndri, il faut prendre le micro, je vais vous poser une question. Madame Ndri, je veux juste savoir, c'est quoi le petit secret qui vous a permis de maintenir monsieur dans le foyer jusqu'à aujourd'hui? La fidélité. La fidélité? Oui. La fidélité, vous, votre fidélité? Oui. À votre mari? Oui. Mmh. La fidélité. Mmh. C'est très important. Oui. Ah là là, il est sûr que vous êtes à lui et rien qu'à lui, seul. Oui. Ah, on va l'applaudir très fort. C'est un modèle de femme. Hein? Alors, je vais revenir au couple Nguesson. Alors, monsieur Nguesson, moi j'aimerais vous poser une question. On a presque terminé, on va aller avec les conseils. Vous savez que nous les femmes là, on est capricieuses. On est palabreuses. On aime tout ce qui est bizarre. On aime vous fatiguer. Vraiment. On aime à faire. Ça, je reconnais. On aime à faire. Comment vous, en tant qu'un homme, en tant que mari, vous arrivez à calmer tout ça quand il y a des tensions dans la maison? Merci. Ben, souvent, quand il y a les tensions,
j'ai plusieurs options. Quand tu vois que la tension est forte, je sors un peu. Or, elle, son totem, c'est la solitude. Oh là là, donc elle vous suit. Pas qu'elle ne me suit pas, mais quand c'est comme ça, quand tu reviens, la température descend. Et la seconde chose, c'est que pendant qu'elle est fâchée, je commence à déclarer des paroles, des bonnes paroles sur sa vie. Tu es une femme merveilleuse, on est fait à deux, personne ne peut nous séparer. C'est bien. Et voilà ce que je peux dire. Ça, c'est les actes concrets. Mais toujours en m'appuyant sur Dieu pour pardonner, surmonter. Parce que pour moi, faut pas. C'est pour la vie que nous sommes mariés. C'est ça. Et tout ce que je dois faire, c'est pour Il faut dire que vous avez mis Dieu au centre de vos relations. Tout à fait. Et les choses se passent bien. On va revenir à Papa Andri. Papa Andri, vous avez dit que maman, elle est très pratiquante. Vous avez de petites astuces, tout ça. Mais vous avez mis Dieu au centre de vos relations. C'est ça. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand elle n'est pas là, elle prie, elle rentre en prière quand il y a des soucis. Je veux dire, quand vous êtes au bord de la dépression, tout ça. Voilà, ça aussi. Et maintenant, évidemment, on ne peut pas vivre sans qu'il y ait quand même des petits accros. Lorsque la nervosité est là, comme je la connais, quand elle parle, je ne dois pas répondre. Donc, je fais la sourde oreille, je suis couché là, mais tu vas parler jusqu'au matin, je ne réponds pas. Je suis couché là, je ne dis rien. Si je réponds, ça va s'enflammer. Donc, je suis couché là, je fais la sourire, tu vas parler. Donc elle se jusqu'au matin, elle est femme même. Ça va aller. Voilà. Et puis, comme le temps aussi, c'est un autre nom de Dieu. Et puis petit à petit, ça te digère. Et puis la vie reprend. Et puis la vie reprend. Voilà. Alors, et monsieur Ndri, puisque nous sommes avec vous en même temps, vous avez juste une minute pour parler à cette génération qui voit le mariage autrement, qui juste part sur un coup de tête se marie, divorce sur un coup de tête, tout ça. Quel conseil vous voulez leur donner? Vous êtes marié depuis 1975. Oui. Bon, ce que je vais dire par rapport à ce point précis, c'est que ça dépend. Il y a le mariage qu'on fait parce qu'on a décidé de se marier, on s'est vu, on s'aime. Et puis il y a le mariage qui est basé aujourd'hui sur le matériel. On pense à ce que le monsieur déjà est, sa surface financière, on met ça en jeu, on dit, ah, comme il est comme ça, il a tel titre, donc moi je veux me marier. Ou bien, comme elle est là, elle est ceci, elle est là, je veux me marier. Quand c'est sur cette base-là, c'est que c'est une base fausse. Car le matériel, on l'acquiert, ça vient, ça fait partir. C'est ça. Donc, si c'est tout ce qui est basé sur ce matériel-là, vraiment, ça ne va pas trop loin. Dans le cas précis d'aujourd'hui, nous sommes à la Saint-Valentin. Oui. Aujourd'hui, là, il y en a qui s'attendent à grand-chose. Oui. Ah, moi, on doit me payer ceci ou bien on m'a offert ceci. Oui. Ah, tel a eu ceci, moi, on j'ai pas eu. On regarde plus le matériel. Voilà. Et donc, c'est ça, c'est ça qui est la base. Il faudrait que l'amour vrai reprenne le dessus. Voilà. Merci beaucoup, Papa Andri. Et pour le couple Guessant, je vais permettre cette fois-ci à madame de dire le mot de fin en donnant des conseils à tous les couples qui, en ce moment, traversent des moments difficiles, qui sont au bord de la séparation, qui ont perdu espoir. Un message rapidement pour eux. Vraiment, je voudrais m'adresser aux couples qui sont en mesure de divorce, de vraiment d'avoir les regards fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que Jésus seul qui unit. Ce qui est gâté, il est le Dieu de ce qui est gâté. Il répare les foyers gâtés. Rien n'est impossible à Jésus. Quand on a les regards fixés sur ce Dieu-là, il ne déçoit jamais. Vraiment, je voudrais m'adresser à mes soeurs, à mes frères et soeurs, de ne pas perdre courage. D'accord. Regarder les yeux à Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que lui seul. Même quand c'est gâté, même quand tout va mal, c'est ça. D'avoir les regards fixés sur ce Dieu-là. Merci ce beaucoup. Dieu qui n'abandonne pas. Merci ce beaucoup. Dieu qui ne trahit pas. Ce Merci. Dieu qui ne rejette pas. Je n'ai pas dit Merci de regarder beaucoup. À un marabout ni à un féticheur, mais à Jésus-Christ de Nazareth. Merci le beaucoup, Dieu maman. Des réparateurs des foyers gâtés. Je vous remercie. Merci beaucoup, maman. On va l'ovationner encore plus fort. Merci pour vos conseils. Et avant de passer à la seconde rubrique, c'est déclaration au choix. Vous allez apprécier, bien sûr. Mais avant, mesdames, messieurs, nous allons vous proposer encore une fois de la musique. Nous avons dit ce groupe-là chante l'amour. Il chante l'amour. Et nous allons appeler pour vous encore une fois le groupe
Romantique, sous vos ovations, le groupe Romantique. Je l'ai toujours aimé sans vouloir me l'avouer. À présent, je vais lui offrir mon cœur dans un joli bouquet de fleurs, en lui promettant si l'honneur de toujours faire son bonheur. À présent, je vais lui offrir mon cœur dans un joli bouquet de fleurs, en lui promettant si l'honneur de toujours faire son bonheur. Je suis un garçon timide, chaque fois que je me décide. Même si mon cœur résiste, j'ai ma langue qui résiste. J'ai dû lui écrire ce que j'avais à lui dire. Elle m'a dit en retour qu'elle accepte mon amour. À présent, je veux lui offrir mon cœur dans un joli bouquet de fleurs, en lui promettant si le temps de toujours faire son bonheur. À présent, je veux lui offrir mon cœur dans un joli bouquet de fleurs, en lui promettant si l'on a de toujours faire son bonheur. Je serai sa moitié. Nos joies seront les mêmes. Nous partagerons nos peines. Elle sera mon seul amour et je l'aimerai pour toujours. À présent, je veux lui offrir mon cœur dans un joli bouquet de fleurs, en lui promettant si l'honneur de toujours faire son bonheur. À présent, je veux lui offrir mon cœur dans un joli bouquet de fleurs, en lui promettant si l'honneur de toujours fait son bonheur. Nous allons nous unir pour le meilleur et pour le pire. Elle sera ma moitié, je serai sa moitié. Nos joies seront les mêmes, nous partagerons nos peines. Elle sera mon seul amour et je l'aimerai pour toujours. À présent, je vais lui offrir mon cœur dans un joli bouquet de fleurs, en lui promettant si l'on a de toujours fait son bonheur. À présent, je vais lui offrir mon cœur dans un joli bouquet de fleurs, en lui promettant si l'on a de toujours fait son bonheur. Timide, chaque fois que je me décide, même si mon cœur résiste, j'ai ma langue qui résiste. J'ai dû lui écrire
ce que j'avais à lui dire et m'a dit en retour qu'elle acceptait mon amour. Oh là là, très belle chanson et très belle prestation aussi. Mesdames, messieurs, nous allons continuer cette belle fête de l'amour. Mais avant, mesdames, messieurs, nous aimerons remercier encore une fois celle-là même qui nous a assuré ce décor magnifique. Madame Brou-Thérèse, merci pour ce sublime décor. Et nous allons dire également merci à Jackie Coiffure qui m'a coiffée. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, vous avez aimé la première rubrique Histoire d'amour. C'était bon. C'était bon. C'était magnifique. Nous allons passer à la deuxième rubrique. Bien avant que je vous explique ce qui va se passer, j'aimerais qu'on présente une dame qui est parmi nous. Elle ne pourra pas rester, donc voilà. Sa présence ne pourra pas passer inaperçue. Elle est magnifique, tout de vert vêtu. Elle a été nommée, sinon sacrée Miss Aoulaba. Ah, c'est Aoulaba. On n'ajoute pas le Miss, d'accord. Aoulaba, région de Bekin. Elle va se tenir debout. On va faire pour elle un tonnerre d'applaudissements. Aoulaba, 2014. Yeah! Elle a les vrais matos. Voilà. On va donc continuer. La deuxième rubrique, mesdames, messieurs, on l'appelle déclaration au choix. Déclaration au choix, eh bien, je vous explique comment ça va se passer. Nous aurons dans un panier des bouts de papier qui contiennent trois différents petits mots. Le premier, action et vérité. Action et vérité, si c'est monsieur ou madame qui choisit, qui tire action ou vérité, madame pourra demander à monsieur tout de suite d'exécuter quelque chose, soit de danser pour elle, soit de lui chanter quelque chose, tout ça. C'est une vérité. Elle forcera donc son conjoint à lui dire une vérité, quelque chose qu'elle voulait savoir depuis. Ce sera l'occasion de tout savoir, action et vérité. Et puis dans la deuxième, sur le deuxième petit papier, c'est mis déclaration d'amour. Donc si c'est monsieur qui tire déclaration d'amour, il sera obligé de faire une déclaration d'amour à sa femme. Et pour finir, le troisième petit mot, c'est poème. Si c'est monsieur ou madame qui tire poème, madame sera obligée de dire un poème à son conjoint ou vice-versa. On va commencer avec le couple Nguessan. Voilà. Je pose le panier sur vos tables. Ça peut aller? Ça peut aller, d'accord. Mais voici le panier. Je veux avoir quelqu'un pour remuer encore une fois les bouts de papier dans mon panier. Alors, je vais choisir une magnifique dame. Venez, madame en bleu. Venez. Vous êtes toute belle. Même si vous n'êtes pas dans les couleurs de l'amour, vous êtes toute belle, malgré tout. Voilà. Ovation pour elle, pour la charmante dame. Voilà. Venez tout près de moi. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous appelez comment? Je suis Miss Diallo. Je suis la responsable service communication que ce régional Bekin. Merci beaucoup. C'est l'amour qui vous fatigue comme ça. Ça vous fatigue déjà. C'est émouvant. Oh là là. Merci beaucoup. Elle est déjà heureuse même pour les coupes qu'elle voit. Alors, Madame Diallo, mélangez bien les bouts de papier. Mélangez bien. Mélangez. Voilà. Vous voyez avec moi, elle mélange bien. Voilà. Madame va tirer la première. On a commencé par dire bonsoir aux femmes. Elles vont tirer d'abord. Non, vous restez avec moi. Voilà. Vous allez confirmer avec moi. C'est mis dessus. Déclaration d'amour. Déclaration d'amour. Madame sera obligée de faire une déclaration d'amour à monsieur. C'est pas moi, c'est elle-même qui a choisi. Le micro. Papa, je t'aime de tout mon cœur parce que c'est Jésus qui t'a mis auprès de moi malgré mes défauts. Je t'aime. Et je vais toujours t'aimer jusqu'au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Non, ça s'applaudit encore plus fort. Alors, ça c'est une déclaration. Hein. Dans les yeux, je t'aime. Oh là là. C'est trop bon.
la femme. Maman, faut tirer. Ça là, c'est passage obligé, faut tirer. Elle cherche. On s'est mis déclaration d'amour. Je suis sûre que pendant toutes ces années de mariage, c'est papa qui a toujours fait la déclaration. Le petit nom, c'est quoi? Le petit nom. Son petit nom, papa. Son petit nom, c'est quoi? Véro. Il dit Véro, je t'aime. Véro, faut pas partir. Toi-même, tu sais que je t'aime. Oh. Véro, aujourd'hui, là, faut dire pour lui. Voici le micro. J'ai dit du Pablo et que je t'aime. Mm-hmm. Mais que le Seigneur continue mm-hmm. ce qu'il a continué dans notre vie jusqu'à mm-hmm. aujourd'hui. Maman, il faut laisser le Seigneur là. Faut dire ce qu'il. Oui, mais j'ai dit. Tu es mon cœur, tout ça. Là, faut... C'est toujours la même chose depuis uh-huh. le premier jour. Mm-hmm. Tu l'aimes même chose. Même ça n'a pas changé. Ouais, ovation. Voilà. On va passer maintenant aux hommes. On espère qu'ils vont nous faire plaisir et vraiment, vraiment plaisir. Papa André va faire le son tirage. Action ou vérité? Alors, j'explique. Action ou vérité? Si vous choisissez action, vous pouvez demander qu'elle se mette en action. Qu'elle danse pour vous. Qu'elle chante pour vous. Qu'elle vous fasse un bisou même en direct. Si vous choisissez vérité, vous pouvez lui demander quelque chose, une vérité que vous voulez, poser une question et elle sera obligée de vous répondre franchement. Vous choisissez quoi? Action ou vérité? Action! Il choisit action, action, action. Il choisit action. Allons-y voilà. Pour l'action. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Bon, viens me faire un beau bisou. Ah! Viens. On dirait Pablo. Allons-y pour le bisou. Ouais, il faut l'aider. Voilà. Voilà. On va faire bisou, bisou, bisou. Sur la bouche, hein. Ah, bisou. Ah, je dis bien. Bisou. C'est pas fini. Il reste un homme. Monsieur le pasteur. Allez-y, faites votre tirage. Ah, vous avez choisi quoi, votre micro? Poème. Un poème. Mais je pense que ça ne sera pas difficile, hein, parce qu'il est habitué. Ah, voilà, donc, c'est parti. Un, deux et trois. Angèle, ma chérie, ange, elle, ange de Dieu, l'aide semblable venue pour me soutenir, tu es le lieu de mon cœur, celle dont mon cœur bat au rythme de son nom, et que j'appelle le battement de mon cœur. Mon AES, mon aide semblable. Que Dieu te bénisse. Ah! C'est magnifique. Mesdames, messieurs, vous venez de voir avec moi la deuxième rubrique de cette production. Nous allons retourner en musique et inviter un artiste talentueux qui s'appelle Carmo. On va l'ovationner très, 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 très fort pour sa magnifique prestation. Zion Sound Builder. C'est pour toi, chérie Coco, que je compose ce morceau. Je n'arrêterai jamais de te prouver mon amour le faux. Chaque jour que Dieu fait, bébé, je pense à toi. En espérant que tu fais pareil pour moi. Je t'assure mon cœur que t'apporte du poumon au cœur. Au rappeur que je suis, tu me suis. Car certains trouveront que je dérape de leur opinion. Je m'en tape, cet amour m'a tellement pris la tête. Il fallait que je le crie haut et fort. L'amour que j'ai pour toi est tellement grand que sur la belle orchestration de taf, je tape mon rap tranquillement et sereinement.
Je t'aime encore plus depuis que j'ai conscience que t'es pas chumage, t'es bien chipier. Je t'aime encore plus depuis que j'ai conscience que je suis mal, t'es mal. T'as su conquérir mon cœur, t'as su me rendre meilleur. Avec toi, je veux regarder dans la même direction. Avec toi, je veux construire un avenir. T'es ma source de motivation, ma source d'inspiration. Le bonheur, je ne le vois nulle part ailleurs. C'est pourquoi gisant, lui agissant, comme un gisement, mon cœur rempli d'amour pour toi, ma fleur. L'amour en fou, en vérité, bébé, ma folie a commencé à l'instant où je t'ai rencontré. T'imaginer comment mon cœur se met à vibrer et qu'entend ta voix au bout du fond, bébé. T'es celle à qui toute la vie j'ai rêvé. T'es celle qu'en fait, en réalité, j'ai trouvé. Il est le matin, il est pour nous descendre. Y'a qu'à nous descendre, à la nolé d'Iraniette. Je t'aime encore plus depuis que j'ai conscience que t'es mal, j'suis mal, t'es bien, j'suis bien. Je t'aime encore plus depuis que j'ai conscience que j'suis mal, t'es mal, j'suis bien, t'es bien. Je t'aime encore plus depuis que j'ai conscience que moi c'est toi, moi c'est moi, moi c'est moi. Nous allons directement passer à la troisième et dernière rubrique de cette émission. La troisième rubrique, je connais mon partenaire. Merci beaucoup. Monsieur Ndri, oui. Nous partons pour je connais mon partenaire. On va vous tester avec de petites questions pour savoir si vous connaissez vraiment votre partenaire. D'accord. Tellement d'années de vie ensemble, depuis 1975. Oui. Quelle est la pointure de chaussures de votre épouse? Elle chausse du 38. Elle chausse du 38. Oui. Madame Dri, vous confirmez? Ah, ovation. Monsieur Dri, oui. Quelle est la couleur préférée de votre femme? La couleur préférée de ma femme, bon, ce qui est sûr là, c'est parce qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, sinon c'est le violet. C'est le violet. Oui. Madame Dri, vous confirmez? Elle confirme. Ouais. Moi-même, j'ai les réponses. Non, je saurai si c'est pas... Alors, dites-moi, votre femme, elle est plutôt t-shirt ou pagne? Elle est en principe... Elle est plutôt jean, t-shirt, ou elle est beaucoup pagne, ou jupe. Elle s'habille comment, selon vous? Bon, elle est bien dans tout, mais moi, je souhaite la voir souvent en pagne. En pagne. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle aime elle-même? Elle aime le pagne, là. Elle aime le pagne. Bon. D'accord. Vous passez le micro à madame. Madame Dri. Oui. Vous regardez pas monsieur. Hein. Son plat préféré, c'est quoi? Bon poisson frais. Mm-hmm. Sauce claire. Mm-hmm. Avec de la tchèque. Ah bon? Point gros baoulé. Vous êtes d'accord? D'accord. C'est normal de vous faire à manger depuis 1975. Ben. La deuxième question, Madame Dri, quel est le parfum préféré de votre mari?
Bon, vraiment. Mon mari n'aime pas trop les parfums. Mm-hmm. Mais il utilise un quand même. Souvent, c'est mes parfums, il prend. Mm-hmm. Ah bon, d'accord. Et votre mari, qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il aime, on va dire, côté vestimentaire? Comment il aime s'habiller? Souvent, il aime se mettre en veste. Mm-hmm. Oui. Il aime porter les vestes, mm-hmm. les chemises marches longues. Mm-hmm. Voilà. Alors, une dernière question. Et qu'est-ce qui fait plaisir à votre mari, selon vous-même? Ce qui fait plaisir à mon mari. Mm-hmm. Parce que quand il sort, il rentre là. Quand il rentre, qu'il ne te voit pas, mm-hmm. ou quand il rentre, il te voit, je sens qu'il est content. Mm-hmm. Parce que quand il ne te voit pas, il demande, et votre maman? Mm-hmm. Même quand tu n'écris pas, j'entends, je sais qu'il me cherche. Donc, mm-hmm. quand il te trouve, il mm-hmm. est déjà content. Il est heureux. Donc, votre présence fait plaisir à votre mari. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Madame Dri. On va passer au second couple, le couple Nguessan. Madame Nguessan, quelle est la couleur préférée de votre mari? La couleur préférée de mon mari, c'est le vert. Le vert. Monsieur Nguessan, vous confirmez? D'accord. Alors, votre mari, forcément, il a des amis. Le meilleur ami de votre mari, comment il s'appelle? Vraiment, le meilleur ami de mon mari que je connais, c'est un vieux qui s'appelle le vieux docteur. Mm-hmm. Il a docteur Toali, oui. que je connais. Uh-huh. Mm-hmm. C'est le meilleur ami. Mm-hmm. On va passer le micro à monsieur rapidement. Monsieur, quel est le plat préféré de madame? Qu'est-ce qu'elle aime manger? Foutou à la sauce graine. Madame, c'est ça. C'est confirmé. Et son parfum, le parfum qu'elle aime mettre, le pire, c'est son bien là. Elle utilise beaucoup, elle aime beaucoup les eaux de Cologne. Elle fait tout un mélange. Tout elle un mélange. Pas, oui, elle n'a pas de préférence. D'accord. Merci beaucoup. Alors, c'était donc notre petite rubrique pour mieux connaître son partenaire. J'aimerais vous dire, chez vous, à la maison, vous avez fait un an de vie de couple, 10 ans, 20 ans. Il y a forcément certains petits détails qu'on ignore ou qu'on néglige. C'est très important. Connaître la pointure de chaussures de madame, vous pourrez lui faire un cadeau. Connaître son parfum, son plat préféré, sa couleur, ce qu'elle aime, à quel moment elle est de bonne humeur ou à quel moment elle n'est pas de bonne humeur, il ne faut pas la déranger. Tout ça, c'est important. Merci beaucoup. C'était la troisième rubrique. Et juste après lui, nous allons recevoir un autre artiste encore qui va vous faire bouger, vous faire danser, mesdames, messieurs. Il s'appelle tout simplement Beta Lance. Beta Lance pour vous. Bato ya mukili bazali na jalousie zangatina Bato ya mukili bazali na jalousie zangatina Bato ya mukili bazali na jalousie zangatina Mama e eh, eh, Mama e eh, Mama e eh, Mama e Jalousie na bakomba kufana yango biso kaka na tata zambe Na kokaka na ngakolinga e susute Jalousie na bakomba kufana yango biso kaka na tata zambe Na kokaka na ngakolinga e susute Jalousie ezali Nicola Liboma Jalousie ezali Nicola Bokono Botika jalousie wama ekomi fundes Botika jalousie wama ekomi fundes Oya lila liboso, liboso yawe. Oya lila liboso, liboso yawe. Tozali kwembe, murkilanga. Tozali kwembe, murkilanga. Ay ay, tozali na kwaba. Eh. Atozali na kwaba. Eh. Atozala bibi ko sangote, mama koko mawa. Atozala bibi ko sangote, mama koko mawa. La bibi ko sangote mama koko mawa yeah oh ma koko mawa yeah oh ma koko mawa suma on sa me jam sa me on sa me jam on sa me jam sa me on sa me jam on sa me jam sa me on sa me jam
qu'on va recevoir, mesdames, messieurs, on l'a connue dans cette chanson où il disait « Elle est partie ». Il pleurait son amour qu'il avait quitté. C'était difficile, c'était douloureux, c'était trop dur. Heureusement qu'elle est revenue et cette fois-ci, aisément, il chante l'amour. Lui-même vêtu aux couleurs de l'amour, mesdames, messieurs, j'aimerais qu'on ovationne très fort, à Paul qui nous chante l'amour. C'est ma déclaration, je t'adore baby, t'es la meilleure meuf du monde, I'm loving with you, babe. Je suis pris par ton amour là. Je suis pris par ton amour là. Tout de suite là, je t'ai croisé, nana, je suis amoureux. Tu m'as rendu dingue, tu m'as rendu fou, heureux. Quelle est cette chance d'avoir croisé ton si beau regard? Ma vie n'avait aucun sens jusqu'au jour où je t'ai croisé. Baby, you be the one in my life, baby. Everything you want, everything you need, I go give you. Oh, baby. Suba. Je suis pris par ton amour là.
allons faire un petit tour vers notre public, échanger quelques petits mots avec eux. Je vais me diriger rapidement vers ce monsieur-là qui est très à l'aise, ça c'est sûr. Oui, je sais de quoi je parle, je n'entrerai pas dans les détails. Monsieur, bonsoir, vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Vous appelez ? Monsieur Yaokan. Monsieur Yaokan, nous célébrons l'amour ce soir. Qu'est-ce que vous voulez dire à l'élu de votre cœur ? À l'élu de mon cœur, je voulais dire simplement que je l'aime. Et que ce jour qui est dédié à l'amour puisse arroser le nôtre, le faire grandir, grandir jusqu'à ce que nous soyons toujours ensemble. Waouh, ça s'applaudit. Ah là là, il a dit que l'amour grandisse et que l'amour ne s'éteigne jamais. Merci Monsieur Yao, pouvez-vous rasseoir. Je vais aller vers une femme cette fois-ci. Madame, bonsoir. Voilà. Avec moi, on va regarder ensemble la caméra. Vous appelez comment ? Madame Kwaku Nadej. Madame Kwaku Nadej, vous êtes seule à cette soirée ? Vous êtes avec ? Mon époux. Ah là là ! Il est où l'époux ? Ah, Monsieur Kwaku. Monsieur Kwaku, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien ? Alors, Madame Kwaku, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre époux, Monsieur Kwaku, en ce jour dédié à l'amour ? Je voudrais lui dire simplement que je l'aime de tout mon cœur, c'est tout. Oh là là, on va applaudir. Mais en fait, c'est vraiment avec toute la classe possible. Elle vous aime, hein ? J'aimerais lui dire que je l'aime. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Il y a une charmante dame qui est derrière là. Madame, bonsoir. Voilà, vous tenez debout tout simplement. Vous êtes venue seule ? Non, non. Vous appelez comment ? Madame Yao Sylvie. Madame Yao, Monsieur Yao, il est où ? Monsieur Yao ! Monsieur Yao, voilà, on va juste vous connaître. Oui, bonne fête. Madame a sûrement quelque chose à vous dire. Ça, c'est sûr. Allez-y, madame. Regardez la caméra et dites le message de monsieur, la déclaration d'amour. Julio, je t'aime de tout mon cœur. Julio, je t'aime de tout mon cœur. Bon, on va respecter le genre. Donc, on va venir vers les hommes cette fois-ci. Un monsieur qui est là, qui est très bien. Venez, messieurs, venez. Venez, voilà. On va regarder ensemble la caméra. Bonsoir, vous vous appelez ? Kwasi Nzondoré. Monsieur Kwasi, d'accord. Vous êtes seul à cette soirée ? J'accompagne mes parents. Ah, d'accord. Vous êtes amoureux ? Très amoureux. Très amoureux, il est. Déclaration pour celle que vous aimez. Comment il s'appelle ? Je l'appelle affectueusement Mapé. Mapé. Mais tout son nom, tout son nom. Ah oui, faut y dire. Ah, d'accord. Déclaration pour elle. Oh, Mapé, je t'aime. Il a dit le malin nous fatigue. Le malin nous fatigue. Non, on n'a pas entendu. Il dit Mapé, je t'aime. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Voilà, c'était la minute donc des invités. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous tirons tout doucement vers la fin de cette production. Nous allons dire merci et grand merci à Madame Brou Thérèse qui a assuré la décoration de cette émission. Nous allons dire merci, grand merci à Jackie Coiffure qui nous a permis, sinon qui m'a permis d'avoir cette magnifique coupe sur la tête. Merci Jackie Coiffure. Nous allons dire merci à nos couples, Monsieur et Madame Undri, Monsieur et Madame Nguesson, qui ont bien voulu se prêter à notre jeu pour que cette émission soit belle. Et merci à toute l'équipe de production. Ils ont fait un travail formidable et grand merci au réalisateur de cette émission, Décris Larsen, qui a géré tout des doigtés magiques. Vraiment, félicitations Larsen. Et avant de terminer, j'aimerais dire ceci. L'amour vive à jamais dans nos cœurs. L'amour vrai, l'amour pur. Et si vous n'avez pas encore connu ce bonheur-là, le bonheur d'aimer et d'être aimé en retour, je vous le souhaite vivement parce que c'est un vrai bonheur. Vive l'amour dans vos vies. Vive l'amour sur RTI Boaké. Tu as paru dans ma vie comme la lune et le soleil.
tu veux disparaître comme la lune et le soleil. Je désire être ta femme, je désire être ta moitié, je désire être ta femme. Amour, je désire être ta femme, je désire être ta moitié, je désire être ta femme. Amour, oui, oui, non, tu te fâches, tu t'en vas. Oui, oui, non, tu te fâches, tu t'en vas. Tu aimes trop écouter les ondits, oh, les mauvaises langues. Tu aimes trop écouter les ondits, oh.